Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée à mon calendrier Rencontres Sauvages 2020. Je vous rappelle le principe, chaque mois je vous raconte l'histoire qui se cache derrière mes images. Et le mois de mars est consacré aux lièvres d'Europe. Et aujourd'hui c'est un jour un peu spécial parce que je me trouve, comme vous pouvez le voir, en pleine nature. Et donc, je suis également précisément proche de l'endroit où j'ai fait cette photographie du lièvre sauvage. Et l'histoire qui se cache derrière cette image est assez surprenante. Je vais vous l'expliquer, vous la raconter directement sur le terrain. Allons-y. Alors je vais vous emmener directement dans la nature, sur les pas du lièvre d'Europe. Alors, en fait, lorsque j'ai conçu cette image, j'étais avec mon bon ami Antoine, qui est aussi photographe animalier. Et donc, nous étions partis pour aller photographier un terrier de renards et de blaireaux que nous avions découvert. Et donc, on avait déposé à cet endroit un piège photo et on avait vu qu'il y avait une certaine activité. Et donc, on est venu très très tôt le matin, c'était un jour, fin mars je pense, il avait gelé, donc il faisait très très froid. Et on se trouvait à peu près dans cet endroit-là. Il y avait déjà les champs, donc bien entendu, là c'est en train de repousser. Et c'est, je pense que c'est du chou, voilà. Alors là c'est assez dingue parce qu'il y a le renard qui est ici. En fait, au départ, on venait avec Antoine pour photographier le renard et on s'était caché dans le champ. Et en fait, je vous explique la suite tout à l'heure pour le lièvre. Je pensais pas le voir aujourd'hui. C'est tout à fait par hasard, donc. Mais le renard est là. On va pas trop le déranger. On va pas le déranger, là. Il m'a déjà surpris. Je suis environ à 300 mètres, peut-être un peu moins, 250 mètres de son terrier. Donc, c'est pas le moment de le déranger. Mais je vais me reculer un petit peu et je vais vous expliquer cette histoire. Et donc, j'ai été couché juste là-bas, à environ une centaine, 150 mètres. Le long dans une tranchée de tracteur dans le champ et j'étais orienté en direction du terrier qui ne montrait pas signe de vie en fait. Et au bout d'un moment, je pense une heure et demie, deux heures, j'ai entendu un petit bruit derrière et j'ai tourné la tête et j'ai découvert le lièvre qui était à une vingtaine de mètres, un peu en surplomb dessus de moi. Le lièvre est très très difficile à photographier dans son élément naturel. Il faut avoir beaucoup de chance en fait pour qu'il vienne nous voir. C'est un animal très très agile qui est alerte et au courant en fait de tout ce qui se passe dans son propre environnement. Par exemple, il peut orienter ses oreilles à 360 degrés quasiment, enfin 180 degrés. Ça lui donne une audition possible sélective à 360 degrés et ça lui donne un avantage sur ses prédateurs par exemple. Il a aussi une autre particularité très intéressante, c'est ses yeux qui sont situés sur le côté et qui lui donnent eux également, chacun d'eux a une vision de 180 degrés et donc ils voient quasiment tout autour d'eux. Donc au fait, c'est surprenant, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, enfin je ne l'ai pas dit à la caméra, mais je me dis souvent ça, la nature nous réserve toujours des surprises et ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier parce que c'est la chose la plus importante je pense, qui permettra de nous relier à elle, de nous reconnecter et de pouvoir l'accepter telle qu'elle est, non pas telle que nous aimerions la voir. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir à découvrir la nature à travers cette démarche terrain que je trouve un peu plus spontanée aussi et qui me permet de vous partager ce lien avec la nature.
Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les ajouter en bas dans les commentaires, à vous abonner et à partager cette vidéo. Et puis, ah, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le pic vert, voilà, qui est en train de faire son nid pour une nouvelle année, pour une nouvelle couvée. Et voilà, c'est ça qui me réjouit aussi dans la nature, c'est qu'il y a un renouveau et il y a vraiment toute une vie qui démarre là autour. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, profitez de la nature, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao!